Une voisine de la Madame Drouet. C'est une femme extraordinaire. Elle est sortie de prison ce matin, oui. Elle avait tué son mari il y a 2 ou 3 mois. Mais il n'avait pas raison. Non. Il était partisan de la loupe-doucheur. Et comme elle a les yeux qui se croisent les bras, elle ne lui a jamais pardonné. J'ai assisté à son procès, je vous jure, je n'ai pas pleuré. En commençant, le juge nous dit, vous n'avez jamais été condamné? Elle répond si, 2 fois, à écartie, par 3 docteurs. Mais ce qui me console, c'est qu'ils se sont débarqués. Mais il me semble vous reconnaître, lui dit le juge. Vous n'avez pas déjà eu affaire à moi? Ah, dit oui, une fois, il y a 5 ans. Mais j'ai été acquitté. C'était pour détournement mineur, je crois. Oui, mais il y a eu erreur. J'étais bien parti avec un mineur, mais il y avait 35 ans qui travaillait à la grande combe. Et quel âge avez-vous? 28 ans. Mais vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Eh bien, ça prouve que je suis sincère et que je ne suis pas une de ces femmes qui disent une fois une chose et une fois une autre. Vous avez tué votre mari, pourquoi? Je l'ai pas fait exprès. Votre crime n'était pourtant pas délité puisque vous avez volé le revolver à M. Blanc, votre propriétaire. C'était pour y faire peur. Je voulais pas le tuer, pourquoi j'ai horreur des infusions de sang. C'est pourquoi vous lui avez tiré dans le ventre en vous portant. Vous n'avez pas pensé qu'en tirant si près, vous le tueriez fatalement. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis victime d'une erreur. Comme le revolver était à blanc, j'ai cru que les balles l'étaient aussi. Total, vous ne l'avez pas manqué. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mon mari, il avait tous les défauts, mais il avait une grande qualité. Il ne fallait pas qu'on le manque. Il était pourtant gentil, votre femme. Gentil, vous dites. Gentil avec un œil, monsieur le juge. Lui, il en avait 2. Ah, avec ses amis, il était gentil, oui. Il était beau parleur, il avait une facilité de location. Et puis comme il avait une jolie voix, parce que ça c'est vrai, il avait une voix de chanteur. Il chantait tout le temps à gorge d'employé. Au bar, il était gai comme un poinçon. Mais dès qu'il rentrait à la maison, il avait la maladie de la perquisition. Il m'a fait devenir l'hypochondriaque. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Non, jamais un bon mot, jamais une prévention. Pour la table, c'était la même chose, jamais un bon morceau. Mais vous savez, c'est bête, là, comme on les dit déjà. Ces poissons qui marchent avec des béquilles et qui vous font tout le temps bien, bien. Des longs douces. Ouais. Eh bien, j'ai jamais pu m'en offrir une. Il disait que ça donnait l'antiquaire et que ça faisait venir des fleurons. Oui. Ah, ben lui, il se privait de rien, par exemple. Il mangeait de l'ongle. Il aurait mangé un gouvernement. Même que les voisins, ils me disaient, votre mari, il doit être astronome. Non, il n'avait pas de cœur. Une fois, il n'avait pas de cœur. Une fois, on m'avait donné un chien, un faute. Un vrai faute. Il a jeté par la fenêtre parce qu'il avait 2 ans. Il voulait un loulou de première année, ce monsieur. Il avait tous les défauts. Il était joueur, buveur, coureur. Et encore, il avait été beau. Mais il avait les jambes fadales, oui. Il faisait pipi entre parenthèses. Ça venait de ce qu'un jour, sa mère, elle avait été réveillée en perso. Et puis alors, comme prétentia, il était un peu là. Il disait toujours, moi, les femmes, quand je les regarde dans les yeux, je les fascine. Et il vous trompait. Il me trompait, vous dites. Si je m'étais appelé Joffre, je n'aurais jamais pu passer sur l'Arc de Triomphe. Ah, il en a eu quelques-unes dans le quartier. La bouchère, la tailleuse, la marchande de chichi, la boulangère, est-ce que je sais? Je crois qu'à part la repasseuse, il a tout repassé. Oui, la première, ça a été Madame des Efforts, la tenancière du chalet de nécessité, une femme qu'on lui a donné le bon Dieu sans confection. Après, il a eu la femme d'un grec, Madame Cotafalounou. Celle-là, elle était vilaine comme une contribution. Elle avait un nez que quand elle vous venait en face, on aurait dit le tunnel du Rhône. Une bouche qui faisait 3 fois le tour de sa tête. On lui aurait mis un piano avec plusieurs queues. Et puis alors des seins, vous m'avez compris. Des seins que chaque fois qu'elle tire le lit, elle se les prenait sous les roulettes. Voilà l'homme que c'était, messieurs les jurés. Je l'ai de lui, que Dieu est son âme. Mettez-vous à ma place et demandez-vous si vous aviez été forcé de coucher avec lui, que vous auriez fait. Moi, vous auriez été certainement comme moi, j'en suis certaine. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas me punir. D'ailleurs, je suis dit toutes les circonstances déterminantes. J'ai tué mon mari, c'est vrai, mais avant de me condamner, messieurs, n'oubliez pas que je suis une pauvre veuve. Le juge était malade de rire et moi, je ne pouvais plus tenir, je suis parti. Alors, vous ne connaissez pas Léon? Léon, de Gonfaron. Et vous connaissez Gonfaron, quand même? Gonfaron, le pays des ânes qui vole. Oui, tout le monde connaît Gonfaron. Mais figurez-vous que dans ce pays-là, Gonfaron, il y a un nommé Léon. Et ce Léon, c'est quelqu'un, c'est pas le premier venu. D'abord, il est président du cercle catholique, il est adjoint au maire, et puis il est sacristain. Voyez si c'est une légumineuse. Malheureusement, dans ce pays-là, Gonfaron, il y a le curé et le maire, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord pourquoi le curé, il est blanc, le maire, il est rouge, alors ils s'en font voir toutes les couleurs, tous les deux. Oui, quand le curé veut faire la procession, le maire veut pas, quand le maire voudrait, c'est le curé qui veut plus, alors c'est toute une histoire. Et Léon, qui n'est pas la moitié d'un imbécile, l'autre jour dit au curé, monsieur le curé, moi si vous voulez, on le sait 4 matin, qui fait beau, je prends un âne, je monte au ciel, je vais voir le curé éternel et je vais lui dire ce qui se passe. Lui, s'il veut, en 2 coups de cuillère à peau, il arrange tout. Le curé lui dit, tu crois? Mais j'en suis sûr. Moi, son beau matin, et puis comme il avait dit, il prit un âne, il monta au ciel, et en arrivant, le premier petit qu'il vit, ce fut Saint-Pierre. En l'apercevant, il dit, oh Saint-Pierre, Léon, tu es mort? Et non, je ne suis pas mort. Je viens pas pour rester, je viens faire une commission. Je vais faire une commission de la part du curé de Gonfaron. Pourquoi Gonfaron, il y a le curé et le maire qui ne sont pas d'accord. Alors si vous descendiez un matin, vous couriez, vous arrangeriez tout. Saint-Pierre dit, mon ami, il ne faut pas descendre, moi j'ai pas le temps. J'ai un travail fou, il m'arrive un monde à chaque instant. Je ne peux pas. Seulement, écoute-moi, il y a un homme qui peut te rendre ce service ici.
C'est Dieu le Père. Dieu le Père, lui, s'il veut, il peut. Mais il est là, tiens, c'est celui qui fume la pipe et qui joue à la belote. Demande-lui, tu verras, tu t'en fiseras pas. Ah, c'est Dieu le Père, ça. Oh, Dieu le Père. Oh, Léo, tu es mort. Non, je ne suis pas mort, je ne viens pas pour rester, je vais faire une commission. Je vais faire une commission de la part du cœur de Gonfaron pour que la Gonfaron, il y a le cœur et le maire qui ne sont pas d'accord. Alors, si vous descendiez, vous en bateau, vous diriez, vous arrangeriez tout. Dieu le Père dit, mon ami, mais je ne peux pas descendre, moi. Je suis trop vieux, oh là là, il n'y a rien à faire. Et puis, j'ai passé toutes les affaires au petit, c'est lui qui fait tout. Vous voyez, lui, Jésus. Jésus, à lui, s'il veut, il peut. Mais il est là, tiens, c'est celui qui a la couronne en cuivre sur la tête. Demande-lui, il ne t'en pas. Ah, c'est Jésus, hein. Oh, Jésus. Oh, tu es mort. Mais non, je ne suis pas mort. Je ne viens pas pour rester. Je vais faire la commission. Je vais faire la commission de la part du cœur de Gonfaron. Pourquoi Gonfaron, il y a le cœur et le maire qui ne sont pas d'accord. Alors, vous descendiez. De mon coup, vous diriez, vous arrangeriez tout. Je lui dis, je ne peux pas, mon ami. Il y a mon père qui ne fait plus rien. Il me demande, ça va être une catastrophe. Surtout qu'à te dire la vérité, je n'aime pas tant que ça, aller en bas, tu sais. Si je suis allé une fois, qu'est-ce qu'ils m'ont passé? Ils m'ont planté des clous dans les mains, dans les pieds. Ils m'ont fait boire du vinaigre. Ils m'ont escargassé. Tu veux que je redescende? Tu n'as pas peur. Seulement, écoute-moi, il y a un homme qui peut te rendre ce service ici. C'est le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, bah, lui, s'il veut. Il peut. Mais tiens, il est là, sur le perchoir. Demande-lui, il t'en vivra pas. Ah, c'est le Saint-Esprit, ça. Oh, Saint-Esprit. Oh, Léon, tu es mort. C'est ça. Je ne suis pas mort, je ne vais pas pour rester. Parce que, oui, oh, je sais. Seulement, moi, pour le Saint-Maman, il ne compte pas. Parce qu'ils ne sont pas intéressants pour qu'on s'occupe d'eux sur la terre. Si tu es allé une fois, ils m'ont fait arriver une histoire terrible. Ils m'ont fait fâcher avec Saint-Joseph. Un jour, la Sainte Vierge a eu un petit. On a dit qu'il était de moi. Ça fait malheur dans le pays. Non, n'insiste pas, là. Seulement, il y a un homme qui peut te rendre ce service ici, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, à lui, s'il veut, il peut. Et Saint-Pierre est aidé, j'ai vu, il voyait sa voix. C'est ça, ça y est, demande-lui poliment, tu verras qu'il ne refusera pas. C'est bon, je retourne voir Saint-Pierre. Oh, Saint-Pierre, c'est oh, Léon, je ne suis pas reparti. Je ne suis pas reparti pour une bonne raison. Je les ai tous vus, là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ainsi soit-il, ils ne veulent rien savoir. Ils m'ont tous dit qu'avec vous, ils pouvaient rendre ce service. Saint-Pierre dit non. C'est déjà dit que je ne pouvais pas, n'insiste pas. D'autant plus que même si je pouvais y aller, en bas, je vais mieux te le dire. Même si je pouvais, ben, j'irai pas. Pourquoi? Ils vous ont fait quelque chose à vous aussi. Ils me demandent s'ils m'ont fait quelque chose. Mais c'est une bande de fripouilles, ils ont affaire. C'est une bande de voleurs. Comment? Il y a près de 2000 ans qui font des caisses pour le denier de Saint-Pierre. J'ai pas encore touché un sou. Tu veux que je descende? Fais!